crédit photo, docteur, les années passent et les records s'accumulent pour Nino. Crédit photo, docteur, les années passent et les records s'accumulent pour Nino. À seulement 27 ans, il est devenu le tout premier rappeur de l'histoire à posséder 4 disques de diamant avec comme prévu 2017, Destin 2019, 1003.0 2020, RFE 2021. De plus, l'artiste est déjà le troisième plus gros vendeur de l'histoire du rap tricolore, avec plus de 3,2 millions d'exemplaires écoulés depuis ses débuts, devant Booba, 3,1 millions, mais derrière MC Solar 3,6 millions, et Jul, plus de 7 millions. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel Nino excelle, ce sont les singles. Énorme. Le player Dailymotion est en train de se charger. Énorme. Le player Dailymotion est en train de se charger. Var configuration égale new object. Configuration.video égale x8 mat 3. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16. 9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player, configuration, des records en pagaille. Ainsi, Nino était devenu en mars 2021 le premier artiste français à passer la barre symbolique des 100 singles d'or, 15 millions d'équivalents stream. Et il fait encore plus fort puisque l'interprète de No Love s'est emparé d'un nouveau record en devenant tout simplement le premier artiste de l'histoire à passer le cap des 100 singles de platine, pour plus de 30 millions d'équivalents stream. Parmi eux, on peut citer comme prévu, Malcolm, Lové avec Gradure, La Vivance avec Cobaladé, Gros Vendeur, No Life ou Eurostar avec Central CEE. Une performance rendue possible grâce à l'officialisation par le SNEP, Syndicat National de l'Édition Phonographique, d'une nouvelle certification platine pour son titre Ancien, extrait de sa mixtape 1000. 3.0 pouces. Le titre Ancien de Nino est certifié single platine. Il s'est dans un premier temps dit lui-même déçu par les ventes de ce projet. Les écoutes continuent pourtant de s'accumuler au fil des mois. Avec, probablement, de nouveaux singles certifiés à la clé.